Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Assassin's Creed Unity. Et aujourd'hui on reprend la dernière fois, nous avions... Bon, voilà, on va une boîte de tour dans un club, elle était acceptée, c'est bien. Nous étions arrêtés la dernière fois après avoir rencontré Napoléon Bonaparte, nous avons fait cette séquence 8 en sa compagnie. Et aujourd'hui nous allons nous attaquer à séquence 9, qui est pour moi une séquence ultra importante, non que je vais débloquer... Je vais pouvoir après débloquer les compétences qui me sont importantes, donc de terme. Je vais vous expliquer pourquoi. Attendez, mon confrérie, mon club, message. Merci. Club, attendez, juste une chose. On est 4, c'est bien le club que je pensais. Attendez. Voilà, une compétition va bientôt commencer, c'est bien. Donc la séquence 9, une fois qu'elle sera terminée, est ultra importante, c'est-à-dire qu'on va débloquer l'âme fantôme améliorée, gaz toxique, le crochetage niveau 3, ça va me permettre de débloquer la peau de gargouille et la peau de fer. Donc en gros, débloquer tout ce qui nous reste à débloquer. Mais premier truc à débloquer une fois que nous avons terminé acte 9, ça sera de débloquer le crochetage niveau 3. Comme ça, dans les missions multijoueurs, enfin dans les missions en coop, vous pourrez débloquer toutes les portes et récupérer tous les petits points entre guillemets cachés. Parce que vous avez des points en fait cachés dans chacun des niveaux en coop. Certains sont donnés une fois que vous terminez une mission, d'autres vous les récupérez, ben faut les chercher dans le niveau. Ils sont régulièrement cachés derrière des portes de niveau 3. Donc c'est pour ça que je cherche cette compétence là. Et de mon côté, je ferai plein de trucs multijoueurs pour s'en récupérer tous ces points-là. Vous aurez peur de soucier de ça. Mais en attendant, nous allons nous faire la séquence 9 ensemble. Séquence 9. Mémoire 1, famille. Paris a faim et Germain est sans doute. Sans doute pour beaucoup. Découvrez qui organise la disette et mettez-y fin. Que sais-tu au sujet des négociants de grains? Ravi de te voir, moi aussi. La plupart sont dans la misère ces temps-ci. Pourquoi? Je tiens une piste menant à Germain. Il a chargé une certaine Marie d'acheter des cargaisons de grains et de les acheminer jusqu'à un quai privé. Marie l'évêque? Tu la connais? Et l'évêque font partie des Templiers depuis la Troisième Croisade. Marie a été la seule à s'opposer à l'exil de Germain. Je ne suis pas surprise qu'elle soit de mèche avec lui. Est-ce que tu sais où on peut la trouver? Non, je n'en sais rien. Mais le peu de grain qui parvient à Paris ces jours-ci est déchargé sur les quais de l'hôtel de ville. C'est parfait. Je commencerai par là. Et moi, je vais trouver l'endroit où se cache Madame l'évêque. Oh, les deux tourtereaux. Bon, nous, on a notre priorité. Rejoindre les quais. Bien évidemment, je vais imaginer ce qui risque de se... Juste une chose, il y a une icône que je connais pas sur un minimap, si vous faites attention. Alors on va aller le chercher. Je m'excuse de ce petit détour, mais bon, voilà, c'est après, voilà, c'est les aléas des trucs. Quand on connaît pas que je à 100%, on voit ce qui se passe. Non. Quoi cette icône? Des points nomades, d'accord. Il y a des points nomades disséminés sur un map. Sûrement les récupérer, bon, on va pas fouiller parce que... C'est une grosse connerie les points nomades, si vous jouez beaucoup, vous pouvez tout débloquer, donc ça sert à rien d'utiliser des points nomades. Allons, de l'ordre ! Laissez-nous passer ! La famine de 1792. Hé ! Revenez ici ! Vous avez dépassé le quai, bande d'idiots ! Où est-ce que vous allez ? Et voilà.
Il pique tout. Touquet, nom de Dieu. Et maintenant, je poursuis les bateaux. C'est ma souris qui a. Il a pas utilisé ma souris. Touquet. 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 Mince. Il va nous demander de sauter. Hop. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas quelqu'un qui cherche à finir au jeu à 100%. Étant donné que 4 secondaires ne rapportent... Enfin, les objectifs optionnels, c'est juste pour finir au jeu à 100%. Sinon, moi, je m'en fiche un peu. Excusez-moi, je vais me concentrer un peu parce que... Ah voilà. Je déteste ces petits gars qui viennent. Le meurtre, on le fera bien, on le fera plus tard. Ok, on est en mission principale. Donc... Voilà. Bon, je suis plus habitué au parcours, excusez-moi. Faut me remettre dedans. Attachez-moi ces amarres! Capitaine! Tout s'est bien passé? Oui, madame. Vous avez vos ordres? Ici, madame. Bien. On m'a chargé de vous rappeler qu'il fallait percer l'un de ces sacs. Bien, madame. Au travail! De mémoire, il va venir vers moi. Oh mince. Guillemets, j'ai pourtant bien entendu. Je peux te faire le point de munitions. Le souci c'est qu'avoir qu'une seule lame fantôme, enfin flèche fantôme. J'ai eu le temps de sécuriser en fait la cloche juste avant, c'est pour ça que je me suis permis de faire ça en fait. Que sinon j'aurais vraiment fait attention que les autres ne regardaient pas la cible que j'ai assassinée, mais voilà. J'étais à côté de la cloche, donc pour faire sonner alerte, ils étaient obligés de passer par moi. Oh, tu es... Mon Dieu, qu'est-ce que
se boucher. Gare, vite, gare. Bon, j'arrête de faire ma voix furtive. Ni vu ni connu. Bon, faut dire aussi que cette mission est vraiment ultra simple. Vous allez payer. Bonjour mon ami. Bon, excepté éviter de toucher haut, bon, faut éviter de faire de mauvaises fautes comme moi, mais bon, c'est pas trop dur encore. Palais du Luxembourg. Qu'est-ce que vous allez y faire? Palais du Luxembourg. Et Palais du Luxembourg. Donc ça va, nous on va pouvoir maintenant s'attaquer aux missions secondaires dans la partie sud. Bah, on va finir la séquence 9 avant. Puis après on s'attaquera à toutes les missions secondaires en fait de la zone sud de Paris. Maintenant je vous conseille une chose, vous commencez par faire toutes les missions secondaires, puis après vous faites la quête principale. Bon, voilà. Fait bien quand même un moment j'avance dans l'histoire parce que sinon tout refaire les quêtes secondaires ça va bien un moment mais c'est bon. Ok, on a une mission secondaire justement, on va faire tout de suite. Ce sont des calomnies. Qui a écrit? Quel plaisir de voir un ami de Mirabeau par les temps qui courent. Il est mort. Qui publie cette propagande? Je l'ignore, mais je leur tordrai volontiers le cou. Pouvez-vous les trouver? Je vais. Ah. Mirabeau. C'est bon, t'as calme ça. Où es-tu? Je veux juste m'en aller. Ne faites pas de mal. Laissez-moi partir. Mirabeau n'est pas un traître. En plus, c'était assassiné par un Templier, par un assassin. Viens ici. Ça suffit maintenant. Je ne vais pas me laisser mal.
maintenant il faut trouver la dernière affiche. Ah je sais. Ouais, faut juste passer là. Et après, on y était il y a 2 secondes en fait. Pas qu'un peu si je peux me permettre. On voit cette mission, ouais, c'est une mission assez rapide. On nous a pas pris beaucoup de temps. Voilà. On va faire celle-ci qui est juste long en plus. Voilà, on va pas faire que des quêtes secondaires bien évidemment. On va quand même essayer d'aliéner quête secondaire et quête principale. Bon, globalement, une mission secondaire, c'est souvent des missions, comme je vous l'ai déjà pu dire auparavant, des missions assez rapides. Protéger un citoyen, enlever des affiches. Mais ça, vous avez l'habitude à force. Mais ça rajoute une profondeur à l'histoire. Intolérable. Il ne leur suffit pas de travestir mes idées sur la Constitution. Voilà qu'ils veulent m'arrêter. Puis-je vous aider, citoyen Condorcet? Je dois quitter Paris sur le champ. Vendu. Il a l'air de s'amuser. Mais pour ça, il faut récupérer le travail qu'il a fait sur la Constitution, en fait. Ouais, bon, attendez. On va pas faire tout le tour. On va aider ne citoyen rien Condorcet. Pas de mal, j'admets. Passera bientôt tout ton temps la madeleine qui perd. Donc le premier a été récupéré, maintenant faut récupérer le deuxième. Et en plus il pleut, ouais. Je dirais qu'il pleut toujours à Paris. Sortez d'ici.
Dommage qu'on y ait. Wow. En plus, il y a un magasin juste à côté. Grand Dieu, c'est un cadavre. Je veux dire que ça fait du bien de trouver un magasin. Oui, tout rapide. Non, faut jamais oublier de recharger en fait ses armes. Ah, sois le bienvenu ici. Comme ça, vous gagnez un munition en fait. Parce que toute arme, en fait, toute munition engagée dans votre arme ne compte plus comme une munition dans votre stock en fait. Et j'ai déjà dû vous l'expliquer une fois. Mais ça remonte à un moment, donc c'est pour ça que je fais un petit rappel dessus. Il t'en a fallu du temps. Moi qui aspirais au calme. On va le ramener. Comme ça, tous ces travaux ont été récupérés. Et pourra continuer à bosser. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Pas grave, c'est pas ce journal. Je vous montrerai à la fin tous les journaux. J'ai récupéré un jour. Hors épisode, j'ai récupéré un autre journal. C'était le Patriote de mémoire. Je vous montrerai si vous voulez. Enfin, si ça vous intéresse, bien évidemment. Pas si, vous... si ça vous intéresse pas, bah, je vous la montrerai pas. Parce que vraiment, c'est ça qui est à côté qui est vraiment ultra bien fait dans ce jeu, c'est que vous avez vraiment tout le cadre autour de la peur de la révolution qui est mis en cadre, en place. Mais comment avez-vous fait? Pardonnez-moi, monsieur Condorcet, mais certaines choses ont tout intérêt à rester secrètes. N'en dites pas davantage. Merci. Ouais. On va continuer la quête principale. Au pire, je ferai une mission secondaire de mon côté, mais ça rajoute beaucoup à l'histoire, donc je préfère quand même vous les faire. Marie Aubert organise un gala au palais de Luxembourg. Infiltrez-vous dans le palais, tu es là avant qu'elle ne déclenche une émeute. Voilà, mission ultra simple. Non, vous allez voir. Tu avais raison. Les hommes de Marie Lévesque ont déchargé les bateaux et emporté le grain au palais du Luxembourg. Si le peuple croit que la famille royale accapare des réserves de grain en temps de famine... Ce sera l'émeute. C'est exactement ce que Germain souhaite. Je te laisse, Madame Lévesque. Je vais retrouver le grain volé et le faire sortir de là avant qu'on ne le découvre. Fais attention à toi. Ne te fais pas prendre. Toujours à s'inquiéter pour elle, quand même. Pourtant, je vous rappelle que ils ont beau être amoureux de jeunesse, une partie, elle fait partie des Templiers, il fait partie de la confrérie des assassins. Au secours! À l'aide! À moi! Donne-nous la poudre! Qu'est-ce que nous allons faire, Michel? Si seulement je pouvais mettre la main sur ce garde. Une très belle fête. Vous vous êtes surpassée, ma chère. Merci. Veuillez m'excuser, je dois aller retrouver mon mari. Pour rappel, lorsque la République a plus ou moins été mise en place, enfin, la monarchie constitutionnelle, le monarque devra se trouver.
Enfin, passera de Versailles au palais du Luxembourg. Tu t'en vas ? Pourquoi ? Merci. Tout va bien ? Oui. Ah. Si vous acceptez de me conduire en sûreté, je vous promets le spectacle de votre vie. Je m'en voudrais beaucoup d'abandonner un artiste dans le besoin. Ouais. Nous y sommes presque. Anticiper ces deux gars. On approche, les gars. Ouais, toi, tais-toi. Ah. Bon, il y avait un grenadier, j'aurais dû m'en occuper en premier. Mais... ça s'est plutôt bien passé. Allez, plus vite, l'artiste. Ah. Merci, mon ami. J'aimerais pouvoir vous remercier comme il se doit. C'est inutile. La diversion suffira largement. Qu'entendez-vous par là ? Rien. Et il y a une autre opportunité d'aide ici. Voilà. En fait, l'avantage de la diversion, c'est que ça diminue le nombre de gardes. Et tout ce qui est aide, ça permet d'avoir des personnes qui vont plus ou moins embêter. On va t'envoyer aux galères pour une simple miche de pain. Tous ceux qui sont ici sont accusés de la même chose. Arrière, toi, recule. Et c'est ça qu'ils appellent la justice. Je le pouvais. Silence. Je les voyeurs, en fait. Tous ceux qui sont ici en prêt. J'ai peur que notre sort nous attende. Oh, tout est bien. Ouvre les cellules. Oui, monsieur. Laisse-moi regarder cette serrure. Bien. C'était quoi ça? Ça n'est pas normal. C'est maintenant qu'on va s'amuser. Libère-moi. Ah, tous au bout d'une pique. La caméra. Voilà. Voilà ce que je reproche. La caméra. J'ai pas pu voir en fait que l'autre est allé à la cloche. De la caméra. Façon dans cette mission, mais bon, comme toujours, voilà les problèmes de caméra. Libère-nous. On doit faire avec. Allez, libère-nous. Ah. Bon, c'est pas grave. Si vous me connaissez, les objectifs secondaires, régulièrement, je les loupe royalement. Je t'en supplie ici, j'ai une famille. Libre. Rattrapez ces chiens. Excusez-moi. Maintenant, il faut trouver une entrée.
Excusez-moi, j'ai un gros coup de lag, je sais pas pourquoi. Allez, ça continue à laguer, c'est affreux. Je m'excuse de la non-fluidité du jeu. Là. Je sais pas d'où ça vient. Ok toi. Alors j'essaie de me dépêcher de neutraliser tout le monde un peu à l'étage. Notamment en débloquant cette porte, ça sera utile pour la suite. Par contre le jeu qui est pas fluide, c'est pas que ça m'énerve mais beaucoup quand même. Voilà, c'est bon. Sans me faire repérer. Vois ce que je t'ai appris, Marie. Oui, maman. François Thomas Germain, tu es banni au titre des crimes que tu as commis contre l'ordre des Templiers. Tout homme qui lui portera secours connaîtra le même sort. Pauvre fou, ne voulez me pardonner. Je connais ses pensées, de la serre. De la serre. Madame, un visiteur. J'ai besoin de ton aide, Marie. Vous aviez raison. Le roi Louis entretenait toutes sortes de relations répréhensibles. Il complotait contre la Révolution d'une main, tout en jurant soutenir la Constitution de l'autre. Bien. Vous saurez confier ces informations aux bonnes personnes, monsieur le métier. Bien entendu, grand maître. Grâce aux preuves réunies, la condamnation du roi est acquise. Quel important passe par là. J'ai oublié de neutraliser les cartes de l'autre côté. Oh, con. Il y a deux tireurs, en fait. J'admets que je pourrais partir, bon. Ça me simplifie un peu la vie. Et voilà. Capuche, fantôme légendaire, bon, c'est pour de l'infiltration en plus. Par contre, continuez. Cette séquence-là est normalement terminée, donc je pourrais normalement débloquer les compétences que je veux. Ah non, pas encore. Bon, on va terminer cette séquence 9.
La vidéo devrait faire aux alentours de 50 minutes en faisant cette dernière mission. Et voilà. Comme ça, vous aurez au moins eu toute la séquence 9 en entier. Dans l'épisode suivant, on pourra s'attaquer aux quêtes secondaires. Ici, mon frère. Au sud de Paris. Ce qui est, je pense, pas plus mal. Ça nous quittera un peu la quête principale et ça nous fera beaucoup de missions à faire. Et temps de retrouver Elise et de quitter Elie maintenant. Mais... Pas le temps de t'expliquer! Cours! Ouch. Aurons-nous droit ce soir à une promenade aérienne, professeur? Non, non, non. Je crains que non. Ces vieux aérostats sont à la merci des vents. Et ils soufflent trop fort pour naviguer sans danger. Revenons à cet exemplaire-ci. Hé, mais que faites-vous donc? Descendez de là tout de suite! Coupe les cordes! Je te couvre! Mon Dieu! Fais vite! Tu vas souffrir. Je t'ai vu. Attention. C'est bien. Plus qu'une. Je vais te rejoindre! Attends-moi! Où veux-tu que j'aille? C'est vraiment très joli vu d'ici! Si tu voyais cette vue! À qui le dis-tu? Le vent forcit! Tu ferais bien de te dépêcher! Merci du conseil! As-tu au moins réfléchi à un moyen de redescendre? Ah! Ces problèmes ont tendance à se résoudre demain! C'est quoi? Tu vas bientôt manquer de toi! Il est là! J'espère que tu sais ce que tu fais! Là-haut! J'ai bien l'intention de rire, en te voyant t'écraser dans le fleuve! On est en train de les perdre! Dépêchez-vous, vite! Essayez de leur barrer le chemin! Je t'ai trouvé! Je m'occupe d'eux! Contente-toi de courir! Je crois que la corde s'est accrochée. Vous, tiens bon. Descendez tout de suite. Arnaud. Tout va bien. Je sens moyen, gars. Je sens moyen. Bien! Ne bougez plus! Je crois que c'est moi qu'ils sont en train de viser!
Arrêtez-vous. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? C'est une longue histoire. Dépêche-toi. Oh la vache. C'est pas vraiment le moment. Hey. Oh, pardon, monsieur. J'ai pas eu trop le temps de vous montrer, mais il y avait une formation en rang serré qui se tirait. Ouais, il y a plein de formations de l'autre côté qui sont en rang serré qui nous tirent dessus. C'est pas vraiment le moment. Vite. Il y aura des enquêtes à faire dans les prochains épisodes, c'est bien. On s'approche du fleuve. Fais vite. J'arrive. La prochaine fois, je m'occupe de notre sortie. C'est magnifique. Vu d'ici, comment pourrait-on croire que notre nation se déchire? Est-ce que les choses reprendront un jour leur cours normal? Tu crois que c'est possible? Et toi? Après tout ce qui s'est passé, tout ce que nous avons perdu. Alors c'est irrévocable. L'histoire est à jamais altérée. Nous ne reviendrons plus en arrière. On ne reviendra pas en arrière. Mais cela ne signifie pas qu'on n'ira plus de l'avant. Élise, je... Et voilà, bisous. Tu as triché. Et toi, tu as trop traîné. Je t'aime. C'est trop mignon. Il nous a fait 9 séquences pour voir ça quand même. Mais c'est bon, voilà. Je pense que vous en doutiez aussi, que ça allait finir ça comme ça. J'ai dû filer. Tu avais l'air si paisible que je n'ai pas voulu te réveiller. Je t'aime, Élise. Et pour une fois, le mot est écrit en français. Quelqu'un va venir la chercher. Espérons-le. Mais... juste avant de se quitter... on va... non. Pas ce coup encore. Monsieur, tu me reçois? Désolé pour tous ces parasites. Je n'avais jamais vu autant de distorsions. Ça ne me dit rien qui vaille. Que dirais-tu d'un nouveau boost avant que je perde la connexion? Je t'envoie les données. Ah bah voilà, si. Parfait, donc discrétion. Maître serrurier, on l'a, donc je pourrais maintenant faire toutes les missions, moi. De coopération sans aucun souci, et je peux acheter à l'exécution au sol. Donc au combat, moi j'ai fini, j'ai acheté priorité, donc maintenez lorsque l'ennemi est au sol pour exécuter, ça c'est génial. Donc ensuite ici je débloquerai ça plus tard, mais avant, bon, discrétion est à fond, donc ça on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi, mais avant je débloquais la santé en fait. Il me faut 21 points.
Ok, accroche-toi, tu touches au but. Nos recherches n'ont pas pu identifier la date ou le lieu de la mort de Germain. Il va falloir que tu les découvres toi-même. Bishop terminé. Merci. Mais avant, on a... Allez, au café de théâtre. Pour voir si on a pas une autre lettre d'église, puis après on pourra s'arrêter là pour cet épisode. Comme j'ai dit, pour une fois... Déjà c'est mignon, déjà la manière dont ils se retrouvent, c'est trop... J'adore. Mais c'est surtout en fait, pour d'abord des jeux vidéo, s'amuse en fait à ne pas respecter la langue en fait de l'écriture, la langue des personnages. Je m'explique, le plus souvent les jeux sont en anglais, et la langue de tous les mots sont écrits en anglais. Là où ils ont fait fort, c'est dans ce jeu-là, les personnages sont français, la langue d'écriture de leurs lettres est en français. Et c'est, pour vous, c'est dire que c'est un détail, mais ça montre qu'ils sont poussés un réalisme le plus loin possible dans l'univers du jeu, pour que le jeu soit le plus véridique possible, et le plus proche de la réalité possible. Ce qui est, je trouve, vraiment sympathique de leur part. Mon très cher Arnaud, je peine à appréhender tous les changements des trois dernières années. Jusqu'où nos parcours nous ont menés. J'ai parfois craint que nos chemins nous éloignent à jamais, ou au contraire nous opposent, comme les amants maudits d'une pièce de théâtre à trois sous. Mon très cher ami. Excusez-moi. Je peine à appréhender tous les changements des trois dernières années. Jusqu'où nos parcours nous ont menés. J'ai parfois craint que nos chemins nous éloignent à jamais, ou au contraire nous opposent, comme les amants maudits d'une pièce de théâtre à trois sous. Nous ne sommes certes plus les inséparables effrontés de jadis. Mais nous ne serons jamais des étrangers l'un pour l'autre. Que deviendrons-nous quand tout ceci sera fini? Quand Germain gira à nos pieds? Quand mon père aura enfin trouvé le repos? Mentor des assassins et grand maître des Templiers? Sera-ce la continuité des vieilles traditions ou l'avènement d'une ère nouvelle? Façonnerons-nous l'avenir du monde? Où nous retirerons-nous à la campagne pour élever des chèvres? Je t'imagine en pâtre. Je suis sûr qu'aucune chèvre ne t'échapperait. J'ignore ce que nous apportera demain. Ni même les mois et les années à venir. Tout ce que je sais, c'est que nous resterons Arnaud et Élise. Et j'en suis heureuse. Mais... Je n'ai jamais pu persuader son père de m'emmener à Paris. Faut que j'apprenne à me fermer quand elle n'était pas terminée d'être lue. Donc voilà. On s'arrête là pour cet épisode. J'espère en tout cas passer un moment en ma compagnie. Bon, je vais peut-être réaliser les quêtes secondaires hors vidéo. Je sais pas encore. Pour une raison simple, c'est que voilà, il y a plein de quêtes secondaires à faire. Les enquêtes, bien évidemment, sont réalisées en vidéo, je vous rassure. Les quêtes secondaires, peut-être pas. Parce que globalement, c'est souvent c'est répétitif, ultra répétitif, et je pense pas que c'est ça qui vous intéresse. Mais bon, j'aurais bien en fonction de la prochaine vidéo ce que j'ai envie de faire. Aide votre réaction par rapport à ça. Je sais que l'histoire vous intéresse énormément. Donc si vous voulez continuer que l'histoire, on continuera que l'histoire. Mais je voulais profiter justement pour refaire toutes les quêtes secondaires qui restaient à faire. De 1 les faire, de 2 terminer les enquêtes, et de 3 faire les énigmes de Nostradamus. Ah, il n'y a pas encore de compétition. Donc à vous de voir, je pense que ça serait vraiment sympathique, mais bon, on avisera ça par la suite. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de regarder cette vidéo, j'espère en tout cas de passer un agréablement en ma compagnie. Je vous dis à une prochaine fois, d'ici là, portez-vous bien, et à tout le monde.